Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus, c'est le grand souverain sacrificateur. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Jésus, c'est le serviteur saint. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Jésus, c'est le juge. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus, c'est le médiateur. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus, c'est celui qui libère. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus, c'est notre espoir. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus, c'est le Rédempteur. Et quant à moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Jésus, c'est le Sauveur. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il nous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Jésus, c'est la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus est le chemin. Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est le victorieux. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Jésus est celui qui guérit. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais bien-aimé, ce Jésus-là, c'est celui que nous prions, c'est celui que nous adorons, c'est celui en qui nous nous confions et pour qui nous vivons. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment, puissamment, et sachez que ce Jésus-là veille sur chacune de vos vies. Janvier, c'est A. A comme appel. Voici, j'entends une voix qui m'appelle à sortir de mon tombeau. Mon fils, ma fille, avance-toi et je te guérirai. Avance-toi et je te délivrerai. Viens, marchons ensemble et je te ferai voir toute ma bonté à ton égard. J'entends une voix qui me dit, lève-toi et marche. Cette voix m'appelle par mon nom. Elle m'appelle dès le matin jusqu'au coucher du soleil. Elle m'appelle par mon nom et me dit, « Toi, suis-moi. » Cet appel retentit dans les cieux et sur la terre. Oui, je suis un appelé et un élu de Dieu. Il me dit, « Viens, mon enfant, et travaillons ensemble, car la moisson est grande et j'ai besoin d'ouvriers. Celui qui m'appelle est mon Sauveur et mon Seigneur. Il est mon Maître et le rocher sur lequel je trouve un abri sûr pendant mes tempêtes et mes détresses. » Il est un bon père pour chacun de ses enfants. Aujourd'hui, si toi aussi tu entends sa voix, mon frère, ma sœur, n'endurcis pas ton cœur, mais réponds à son appel, réponds-lui d'un cœur sincère en lui disant, « Me voici, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Parle, ton serviteur, ta servante, écoute. » Voici sa voix qui m'appelle. C'est un son doux et léger qui retentit au creux de mes oreilles. C'est un doux parfum qui se fait sentir à mes côtés. C'est une parole délicieuse, aussi douce que le miel qui réjouit mon être tout entier. Il me dit, « Mon enfant, avec moi tu feras des miracles. Tu franchiras les mers et les océans. Tu calmeras les vents et les ouragans qui s'élèveront contre toi. Tu apaiseras les tempêtes et les orages qui s'abattront dans ta vie. Prends courage, car je suis avec toi. » Et il me dit, « Je t'appelle, car tu seras cette voix qui crie dans le désert pour annoncer mon retour imminent. Mon enfant, je t'appelle aujourd'hui, car je veux que tu sois comme un pansement sur le cœur de ton frère, sur le cœur de ta sœur. Tu seras un puissant médicament contre toutes les douleurs et blessures de son cœur. Viens, mon enfant, parlons ensemble, franchissons les limites et abattons tous les obstacles qui s'amoncellent devant tes pas. Je t'appelle aujourd'hui à t'approcher toujours plus de moi. Viens, viens, viens à mes côtés, plus près, toujours plus près de moi. Avance-toi tout contre mon cœur et entends ce que j'ai à te dire. Entends chaque battement de mon cœur qui crie vers toi, « Je t'aime, mon enfant, je t'aime, mon enfant.
Je veille sur ton âme, je veille sur ta vie. Je t'appelle car je t'ai racheté par mon sang. C'est le prix que j'ai payé pour toi et il en valait la peine. Je t'aime, mon enfant. J'ai confiance en toi. J'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Je sais que tu vas arriver à accomplir ta destinée. Je suis à tes côtés tous les jours de ta vie. N'en doute pas. Crois-moi. Viens, mon enfant. Je t'appelle encore aujourd'hui car je veux te guérir. Je veux te restaurer. Je veux te combler dans tous les domaines de ta vie. Viens, marchons ensemble. Lâche prise sur ta vie et laisse-moi la guider. Je t'appelle aujourd'hui, mon enfant, à me suivre. Marchons ensemble, car je veux te bénir. Janvier, c'est N. N comme nouveau commencement. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mes bien-aimés, préparez-vous pour un nouveau départ dans votre vie. Voici, nous débutons une nouvelle année avec de nouvelles résolutions. Toutes plus audacieuses les unes que les autres. En ces débuts d'année, nous avons tous fait monter de nouveaux vœux vers l'Éternel et nous ferons tout pour les maintenir au cours de cette année nouvelle qui se présente devant nous. Et maintenant, voici, mes bien-aimés, la parole que l'Éternel nous adresse à chacun d'entre nous pour l'année qui s'ouvre devant nos pas. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Voici qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Déclarons-le ensemble. Cette année sera une année différente pour moi et ma maison. Je le déclare et je le confesse. Cette année, il y aura du nouveau dans ma vie. Je refuse de passer ma vie à ne regarder qu'aux choses passées, à mes échecs et mes manquements. Oui, je le déclare, cette année sera l'année du nouveau commencement. Un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau travail, une nouvelle consécration de ma vie pour le Seigneur, une nouvelle disposition à faire sa volonté et non plus la mienne, une nouvelle résolution à être intègre dans toutes mes voies, une nouvelle décision à mettre en place pour maintenir l'unité de mon couple, de mes enfants, de ma famille, une nouvelle onction dans mon service auprès de Dieu. Cette année sera une année différente que l'année dernière. Oui, c'est un nouveau commencement pour moi. Le passé est derrière moi. Voici, une année nouvelle se présente devant moi. C'est une nouvelle chance pour moi de découvrir à quel point Dieu m'aime et à quel point sa grâce et sa puissance est disponible pour ma vie. C'est une nouvelle opportunité qui m'est accordée et je veux la saisir pour entrer enfin dans ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je le déclare, en cette nouvelle année, je vais prendre un nouveau départ. Je ne vais pas me contenter de mes expériences passées avec le Seigneur. Je vais grandir de valeur en valeur. Je vais faire des pas de plus en plus vers ma destinée. Mes projets vont enfin se réaliser, ma mentalité va enfin changer et s'aligner avec la volonté de mon Père Céleste. Je vais accomplir des miracles, faire revivre d'anciens rêves qui ont été enterrés l'année dernière. Je vais ressusciter ma joie et ma paix que les épreuves du passé ont essayé d'étouffer. Voici, une nouvelle année se présente devant moi et je me réjouis d'avance de tout ce que l'Éternel va faire dans ma vie. Oui, mon Dieu pourvoira de nouveau à tous mes besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ. Cette année, je m'attends à ce qu'il m'accorde une nouvelle vie, un nouveau commencement, une vie renouvelée en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je te loue et je te rends grâce dès à présent de tous ces nouveaux changements que tu vas m'accorder. Ma bouche célèbre d'ores et déjà ta grandeur et ta bonté à mon égard. Je veux me réjouir bien avant que mes yeux ne voient et que mes oreilles n'entendent ce que tu vas faire, car je sais que tu as le meilleur en réserve pour moi en cette nouvelle année. Je te bénis et je te dis déjà merci pour ce nouveau commencement, mon Dieu, mon roi. Sois loué et adoré. Amen.
Janvier, c'est aussi V. V comme vêtements de louange. Pour accorder à ceux qui sont dans le deuil un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Mes bien-aimés, avez-vous entendu quelle est la parole que l'Éternel nous adresse aujourd'hui ? Son plus grand désir est de nous bénir, nous relever d'où nous sommes tombés, restaurer tous les domaines de notre vie qui ont été brisés par les événements du passé. Il veut nous guérir de toutes nos afflictions, de toutes nos blessures et nos déceptions. Il veut nous revêtir d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit découragé, au lieu d'un esprit triste, au lieu d'un esprit faible. Mes bien-aimés, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui est celle-ci. Que portez-vous aujourd'hui comme vêtement ? Bien sûr, je ne parle pas ici de vêtements charnels, mais bien de ce qui couvre votre esprit et vos émotions. Êtes-vous vêtu de désespoir et de déception ? Êtes-vous vêtu de tristesse et de découragement ? Êtes-vous vêtu d'angoisse et de peur ? Êtes-vous vêtu d'inquiétude et de manque d'assurance ? Alors sachez qu'aujourd'hui, Dieu veut vous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu et découragé. Oui, mon frère, ma sœur, relève ta tête, essuie tes larmes et commence à te réjouir, car l'Éternel est celui qui te console, qui te prend dans ses bras et qui te dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Mon frère, ma sœur, si actuellement tu es dans la douleur, dans la souffrance, dans la dépression, dans l'abattement, dans le découragement, sache que la Bible nous dit qu'il existe un temps pour toute chose sous le soleil, un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire à nouveau. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que le temps de la souffrance vient d'arriver à son terme. Maintenant vient le temps de la joie, du rétablissement de toute chose. Prends courage, mon frère, prends courage, ma sœur, et laisse-toi consoler par ce Dieu Tout-Puissant qui change les pleurs en cris de joie. Remets-lui ta souffrance et revêt-toi d'un vêtement de louange. Aujourd'hui, l'Éternel veut te vêtir de force et de courage. Il veut remplacer ton vêtement de tristesse par des vêtements de louange. Il veut remplacer ton vêtement de malade par un vêtement de guérison. Il veut remplacer ton vêtement d'inquiétude par un vêtement de paix. Il veut remplacer ton vêtement de tristesse et d'abattement par un vêtement de joie. Seigneur, je te prie pour tous mes bien-aimés, pour mes frères et pour mes sœurs. Ôte de leurs épaules tout vêtement qui pèse sur eux et qui sont devenus trop lourds à porter pour eux. Seigneur, le temps est accompli. Le temps de la détresse est fini. Annonce-leur des temps de rafraîchissement. Annonce-leur des temps de rétablissement. Annonce-leur que la délivrance vient de s'enclencher dans leur vie et que désormais, ils seront revêtus d'un vêtement de louange pour le reste de leurs jours. Oui, Seigneur, des jours meilleurs s'annoncent devant leurs pas. La tristesse sera dépouillée. Les pleurs et la souffrance ne seront plus trouvées dans leur vie. Mais au contraire, la joie, la paix, la santé et la prospérité seront leur partage. Désormais, chaque matin, ils se revêtiront d'habits de sainteté, d'habits de louange, d'habits d'adoration, en voyant tout le bien que tu vas leur faire. Oui, tout le bien que tu vas déverser dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, maintenant, inversons le processus de destruction pour amener la bénédiction sur nos vies. Revêtons-nous donc chaque matin de ce vêtement de louange et déclarons ensemble que la parole de Dieu vient sur nos vies. Et voyez de vos propres yeux ce que produit la parole de l'Éternel lorsqu'elle est déclarée avec foi et conviction, dès l'aurore de chaque jour qui se lève sur nos vies. Janvier, c'est I. I comme incrédulité. Et Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi, parce qu'ils ne croyaient pas en lui, ils n'avaient pas de confiance en lui. Mais bien-aimés, nous devons chasser l'incrédulité loin de nos vies si nous voulons voir les miracles de guérison s'accomplir dans nos vies. Si nous voulons voir nos promesses se réaliser et nos bénédictions se matérialiser.
Mais comment lutter contre quelque chose dont nous ne comprenons pas l'origine? Car bien souvent, nous pensons avoir la foi. Mais au fil des jours, des mois et des années qui passent sans aucun exaucement, nous pouvons parfois faire ce terrible constat et nous rendre compte qu'il existe peut-être bel et bien un obstacle à notre exaucement, à l'exaucement de nos prières. Rien ne marche, rien ne bouge. Mais que se passe-t-il? Alors Seigneur, qu'en est-il de ma foi? Est-elle authentique ou ai-je de l'incrédulité au fond de mon cœur? Dois-je moi aussi m'écrier comme cet homme? Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Viens à mon secours. Oui, Seigneur, viens à notre secours et compassion de nous. Et Jésus nous fera aussi cette même réponse. Si je peux, mais toi, peux-tu seulement croire que tout est possible? Oui, je te le dis, tout est possible à celui qui croit. Oh Seigneur, alors viens au secours de notre incrédulité. Viens à notre secours. Mes bien-aimés, soyons sincères devant Dieu et examinons nos vies sous la conduite du Saint-Esprit pour découvrir s'il existe peut-être une semence d'incrédulité, un obstacle dans notre vie spirituelle qui pourrait empêcher la main de Dieu de s'étendre sur nos vies et nos circonstances. Élevons-nous aussi cette prière que David a faite devant l'Éternel en lui disant « Seigneur, sonde-moi ». Oh oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je reconnais que parfois, il m'arrive de douter de ta parole. Il m'est arrivé aussi même parfois de croire que tous les mensonges que l'ennemi injectait dans mon esprit étaient la vérité, quand il me disait tout le contraire de ce que tu m'avais annoncé. Oui, j'ai cru que tu n'accomplirais pas ce que tu as dit pour ma vie. Que les événements et les circonstances qui sont devant mes yeux parlent plus fort que les promesses que tu m'as données pour ma vie. Je reconnais que je me suis laissé influencer et que j'ai laissé le doute prendre bien trop de place parfois dans ma vie. Et que ce doute a même semé peut-être en moi de l'incrédulité. Je reconnais que j'ai laissé un accès, une porte ouverte aux calomniateurs pour qu'ils viennent me souffler des paroles de découragement, d'incertitude, des paroles qui ne m'ont pas édifié, qui ne m'ont pas fortifié, mais qu'au contraire ont renforcé mes doutes et mes peurs. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je t'invite à dominer sur mes peurs et sur mes doutes, afin qu'en ta présence, tout s'efface, toute notion d'incrédulité soit effacée et que tu viennes renforcer ma foi. Tu as dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Alors Seigneur, je crois. Oui, je veux croire en toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances qui se présentent devant moi, même si elles sont tout l'opposé de ce que tu m'as dit. Je veux continuer à croire en toi, car tu ne mens pas pour acquérir la véritable foi, celle qui croit et qui obtient. Car ta parole me dit que sans la foi, il est impossible de te plaire. Seigneur, je me repens de ma faiblesse dans la foi et te demande pardon pour toutes les fois où j'ai délaissé ta parole pour laisser place à l'incrédulité. Je décide maintenant de reprendre le bon chemin et de suivre tes directives pour ma vie en lisant régulièrement ta parole pour fortifier ma foi et la rendre plus efficace dans ma vie. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour te demander de me pardonner car je sais maintenant que l'incrédulité est un péché et qu'elle empêche ta main d'agir sur ma vie. Je me suis fiée à ce que mes yeux voyaient au lieu de croire à ce que ta parole disait. Mon incrédulité m'a rendue aveugle et m'a empêchée de recevoir tes bénédictions, de recevoir ma guérison, de recevoir mes victoires, de recevoir ma prospérité dans ma vie. Je dois et je désire apprendre à te faire totalement confiance. Je dois m'en tenir à ce que tu as dit et à ce que tu me promets. Seigneur, change ma mentalité, change mes pensées humaines. Je veux croire comme toi, je veux parler comme toi, je veux agir comme toi. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je suis ton enfant et je crois et espère en toi et en ta parole. Je suis ton fils, je suis ta fille et je veux croire que tout est possible et que rien n'est impossible à celui qui croit. Je décide aujourd'hui de croire en Jésus, de croire aux miracles que tu peux faire dans ma vie.
Tu es un Dieu surnaturel et avec toi, je serai exaucé parce que je crois. J'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. Je souhaite que ma foi grandisse de plus en plus en prenant l'avantage sur tout ce qui me bloque, toutes mes peurs, toutes mes angoisses, tous mes doutes, toutes mes incrédulités. Seigneur, efface toute semence d'incrédulité qui s'est déposée dans mon cœur, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande de venir à mon secours et d'exaucer cette prière que j'élève vers toi, Seigneur. Je te laisse prendre toute la place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, car je sais que tu vas faire cette œuvre en moi, aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Janvier, c'est aussi E. E comme excellence. Je suis ton serviteur. Accorde-moi l'intelligence afin que je comprenne tes ordonnances. Seigneur, je veux te servir dans l'excellence. Éloigne donc de moi tout ce qui est médiocre et conduis-moi dans l'excellence de tes voies. Ta parole me dit, alors vous saurez discerner les vraies valeurs et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi, vous parviendrez au jour de Christ sans tomber en chemin ni causer la chute d'autrui. Seigneur, je le reconnais, je ne suis pas capable de bien conduire mes pas si ce n'est pas toi qui me conduis. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai marché dans la médiocrité, dans le juste assez, dans l'accessoire, et que je m'en suis contenté, je te demande pardon pour cela. Je reconnais que tu es un Dieu d'excellence et que tu mérites que je te serve dans l'excellence. Tu mérites d'être respecté et représenté ici-bas par des fils et des filles qui marchent dans l'excellence dans tout ce qu'ils font. Alors Seigneur, accorde-nous toujours plus de discernement dans ces choses afin que nous puissions bien accomplir notre service avec une droiture et une intelligence renouvelées par ta parole. Conduis-nous à marcher dans l'excellence dans toutes nos voies. Seigneur, nous voulons te louer, t'exalter, t'adorer afin que ton nom seul soit élevé, que ta majesté soit reconnue sur la terre comme elle l'est déjà dans le ciel. Oui, qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Seigneur, donne-nous la compréhension de toujours faire des choix qui nous conduisent à exceller dans toutes nos voies. Je veux être un véritable disciple, obéir à ta voix et à toutes tes directives, afin de renoncer à ce qui est de moindre valeur au profit de l'excellence. Aujourd'hui, je choisis la voie de l'excellence pour laisser tomber tout ce qui est médiocre, accessoire, futile, vain, je veux marcher dans l'excellence, sachant que tu m'accorderas tout ce qui m'est nécessaire en chemin, afin que j'accomplisse bien ma mission d'ambassadeur ici-bas. La médiocrité n'est pas mon partage. La médiocrité n'a plus rien à faire dans ma vie. Je la bannis et je décide d'opérer toujours plus dans l'excellence. Seigneur, que toute ma vie t'honore à jamais. Que ma vie tout entière glorifie ton nom, ta majesté, et qu'elle manifeste ta gloire envers tous ceux qui croisent mon chemin. Ton caractère est excellent, tes conseils sont excellents, tes projets et tes plans pour ma vie sont excellents, tes paroles sont excellentes, tout ce qui vient de toi est excellent et parfait. Ton royaume éternel est excellent en beauté et en harmonie. Seigneur, moi aussi je veux faire partie de l'excellence que tu as créée. La création tout entière décrit ton excellence, décrit ta royauté, ta majesté, et moi-même je suis ton enfant et je veux y participer. Que mon excellence serve à attirer toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils voient et reconnaissent qu'il y a en moi un esprit supérieur qui m'aide à marcher dans l'excellence. Seigneur, que mes relations, mon style de vie, mes repas, mes loisirs, mes paroles, mes chants, mes actions, mes témoignages, mes prédications, mes enseignements, mes prières, mes biens, mon foyer, ma vie tout entière, soient empreintes de ton excellence. Je veux te servir dans l'excellence, car toi, tu n'as rien épargné afin que je sois sauvé. Tu t'es dépouillé de ta royauté pour venir me sauver.
Tu as tout sacrifié afin que je puisse vivre l'éternité à tes côtés. De la même manière, moi aussi, je veux te consacrer toute ma vie, mon temps, mes finances, mes capacités, afin que ton royaume soit manifesté ici-bas dans ma vie avec excellence. Revêt-moi de l'excellence de ton esprit. Revêt-moi d'intelligence, de sagesse, d'assurance, de foi, d'autorité, de puissance, d'amour et de bonté. Oui, Seigneur, revêt-moi de l'excellence du fruit de ton esprit, afin que je sache marcher dans l'excellence sur la terre des vivants. Tu déposes en nous un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, comme au temps de Daniel, quand tu les as appelés et tu les as dotés de toutes ces capacités. Ta parole nous dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Nous portons en nous ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Seigneur, tu nous as dit d'aspirer aux dons les meilleurs et qu'ensuite tu nous montrerais une voie par excellence. Alors Seigneur, viens nous revêtir de ton excellence et fais-nous marcher dans toutes tes voies au nom de Jésus-Christ. Janvier, c'est R. R comme rémunérateur. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous reconnaissons que nous devons nous approcher avec foi lorsque nous te recherchons dans la prière, et que tu existes et que tu réserves même une récompense pour ceux qui te cherchent. Tu as dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, « Cherchez-moi et vous vivrez. » L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ayez recours à l'Éternel, mes bien-aimés, et à sa force toute puissante. Recherchez constamment sa présence. Seigneur, je reconnais que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est pourquoi je veux te chercher tous les jours de ma vie. Tu as dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu as dit, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Je crois en toi, mon Seigneur et mon Dieu. Je sais que tu existes et que tu vas m'accorder tout ce dont j'ai besoin pour mener une bonne vie ici-bas. C'est pourquoi je te cherche lorsque je traverse la maladie, car je sais que tu as une guérison en récompense pour ma foi. C'est pourquoi je te cherche dans mes déserts financiers, car je sais que tu as une provision à me donner en récompense à ma foi. C'est pourquoi je te cherche dans toutes mes afflictions, car je sais que tu as une récompense à me donner, une consolation pour mon cœur affligé. C'est pourquoi je te cherche dans toutes mes épreuves, car je sais que tu as une récompense, une libération à donner à mon cœur, une victoire à me donner dans tous mes combats. Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant, je veux élever ton nom, rechercher ta face et ta présence dans ma vie. Oui, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, je reconnais qu'il est impossible que je te cherche de tout mon cœur et que je ne puisse pas te trouver. Tu ne laisseras pas tomber celui qui s'approche de toi en toute sincérité. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
C'est une rétribution divine qui s'étend sur tous les domaines de ma vie. Cette rémunération, Seigneur, ne s'arrête pas sur la terre, mais elle se poursuit jusqu'à la vie éternelle. C'est pourquoi je déclare que tu es mon bon berger, celui qui pourvoit tous mes besoins. Mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. C'est pourquoi ne vous inquiétez donc pas de votre salaire, votre rémunérateur et ce Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Votre rémunérateur est le Dieu fidèle qui se souvient de vos bienfaits pour la gloire de son nom. Le véritable bonheur ne se trouve qu'auprès du Seigneur Jésus, qui nous a aimés au point de donner sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Donnons-lui donc notre vie à notre tour et suivons ses recommandations. Seigneur mon Dieu, mon roi, sois notre rocher, notre secours, notre libérateur, notre bouclier, encore tout au long de ce mois de janvier. C'est en toi que nous nous confions. Viens changer et transformer nos vies pour la gloire de ton nom. Permets-nous encore, cette année, d'accomplir de grandes choses en ton nom. Nous voulons encore une fois de plus te remettre ce mois de janvier entre tes mains, en gardant nos yeux fixés sur toi. Seigneur, tu es Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, et il n'y a personne qui te soit semblable, ni dans le siècle passé, ni dans ce siècle présent, ni dans les siècles à venir. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Tu m'appelles par mon nom et je suis à toi. Permets-moi en ce nouveau mois d'entamer un nouveau commencement avec toi. Revêts-moi d'un vêtement de louange afin que je chante chaque jour de ma vie la gloire de ton nom. Déracine en moi toute incrédulité qui s'élève dans mon cœur et qui empêche ta main puissante d'agir en moi et de me bénir. Seigneur, je veux marcher dans l'excellence tous les jours de ma vie, afin que ton nom soit reconnu comme suprême autorité. Oui, Seigneur, sois le rémunérateur de ma vie. Chaque fois que je te cherche avec foi et sincérité, viens et récompense ma foi. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous avons confiance en toi que tu feras encore une fois concourir toutes choses pour notre bien en ce nouveau mois. Merci pour ta présence à nos côtés. Sois béni et glorifié au siècle des siècles. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de vos espérances en ce nouveau mois de janvier. Amen. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame. Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie. Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Quelles que soient les circonstances qui surgissent sur mon chemin, je reconnais désormais que mon Dieu veille sur ma vie, veille sur mon âme et fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que la bénédiction est mon partage. Désormais, la joie, le bonheur, la paix, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit bénéficieront désormais de tous les bienfaits que procure la proclamation de la parole de l'Éternel. Désormais, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, je suis à lui et il est à moi. Désormais, le caractère de Christ s'imprègne de plus en plus en moi. Désormais, je marcherai dans l'empreinte de ses pas et je verrai sa main s'étendre pour me secourir dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. Désormais, mes oreilles seront attentives à chaque parole qui sort de sa bouche pour obéir à ses directives et ses conseils. Je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans les lieux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Désormais, il dirige chacun de mes pas sur le chemin qu'il a lui-même tracé pour moi. Il ouvrira des portes que jamais personne ne pourra plus refermer. Il me comblera selon sa grande richesse de tous les biens que j'aurai besoin au moment qu'il a établi pour me bénir. Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passée par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonnée, car il m'aime d'un amour infini. Je le déclare, jamais rien, ni personne ne pourra me séparer de son amour. Peu importe ce que les autres disent et pensent de moi, je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour.
Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.